Après sa première étoile, obtenue en 94, Guy Lassauzet attendait la deuxième depuis 15 ans. Cette fois, ça y est, et ce n'est sans doute pas un hasard, c'est le fruit d'une remise en question entamée ces dernières années. La cuisine change, la cuisine évolue, on n'a peut-être pas évolué assez vite pour avoir cette étoile tout de suite. Et puis on s'est remis en question depuis 2 ou 3 ans, en rajeunissant notre style, changeant la vaisselle, en modifiant notre cuisine sans renier nos origines. On a bien gardé ce qui fait notre force, le goût, le produit, mais tout en mettant à côté des choses très originales et qui ont rajeuni notre image. Et l'effet deuxième étoile est immédiat. Depuis lundi, les réservations affluent. Le restaurant affiche déjà complet pour les 3 week-ends à venir. Pour le moment, c'est l'effervescence. Les réservations, le téléphone n'arrête pas. On est un petit peu débordé, donc on va s'adapter. Forcément, dans le temps, ça va s'atténuer, changer un petit peu la clientèle, mais nous allons essayer de rester nous-mêmes. Chez les Lassauzet, la cuisine est une affaire de famille. Le restaurant a été créé en 1906 par l'arrière-grand-père de Guy, qui lui a repris les rênes il y a 25 ans. Il est la 4e génération à diriger la maison. Cette deuxième étoile vient donc récompenser un long parcours et une cuisine authentique qui privilégie les bons produits. Ma cuisine est à base de produits d'excellente qualité. J'essaye toujours de trouver les meilleurs produits. Je les garde d'une façon assez authentique, je ne les déstructure pas, je ne fais pas de moléculaire. Par contre, j'essaye de rendre ça très original par la présentation et toutes les garnitures qu'il y a autour. Standing oblige, le chef s'apprête à faire de grands travaux pour rénover sa maison. Côté tarif, en revanche, pas question de changement pour l'instant. 2 étoiles pour le prix d'une, c'est le moment d'en profiter.